Est-ce que tu connais le frère Dieudonné? Le frère Dieudonné? Il vient, il a eu le tout pour de me demander la main. Avec quel niveau, Seigneur? Est-ce que tu sais que c'est un instituteur et c'est à moi qui vient demander la main? Et il sait que j'ai à quel niveau. Donc, d'ici là, je vais passer mon doctorat. Et moi, je vais accepter quelqu'un comme ça, là. C'est pour me rabaisser, me mettre au bas niveau, ça, c'est quoi? Oh non, je ne peux pas accepter des choses comme ça, là. Non, j'ai appris pendant combien d'années, j'ai souffert, mes parents ont souffert. Après, c'est quelqu'un qui a peut-être un BPC qui doit avoir me demander la main. Soit disant que je suis frère en Christ. C'est ce qu'on mange. Non, ça, ce genre de truc, il ne faut même pas prêter attention à ses avances. Parce que c'est pas du tout sérieux. Des années d'études, des nuits blanches, et lui, vraiment. Un paresseux, vraiment des paresseux, et il a l'audace de s'approcher de toi. Et de j'en ris la même. Main. Mais vraiment, j'en ris. C'est pas du tout sérieux de sa part. Il doit chercher les personnes qui ont son niveau, et il ne peut pas, il n'est pas à ton niveau. Ouais. Avec son salaire à peine 50, 100 000, toi, lorsque tu rentreras dans le monde du travail, il n'y a même est-ce pas... Est-ce qu'il pourra me rivaliser? Jamais. Même payer le courant, là, c'est... Il ne pourra même pas. C'est comme je te dis là, moi, je prie le Seigneur. Hein? Tu as vu, non? Oui. Je sers Dieu. J'ai appris, je suis allé loin. Et je voudrais aussi bien que le Seigneur me donne quelqu'un qui a appris, quelqu'un qui s'est vraiment donné. Non, moi, mon mari doit prier, doit craindre le Seigneur, mais lui aussi avoir un même niveau que moi. D'accord. Si ce n'est pas ça, il n'y a rien. Je suis complètement d'accord avec ça. Particulièrement, regarde mon histoire par exemple, je suis un jeune homme, je souhaite me marier un jour. Mais regarde dans notre église là, toutes les jeunes sœurs, vraiment de ma catégorie, sinon de ma génération, mais vraiment c'est pas la peine. Si une sœur n'a rien, de nos jours c'est 2 à 3 gosses. Et vraiment je ne peux pas m'aventurer dans ces histoires comme ça. Des produits finis. Des produits complètement finis. Et moi, je me suis préservé dans le Seigneur, en servant dans le ministère, et vraiment aujourd'hui, je ne suis pas d'accord, je ne peux pas prendre des épaves. Tu es sûr de ce que tu dis là? Oui, oui. Épaves. Oui. En tout cas, ce n'est pas mon cas, moi je ne suis pas dedans. Moi je connais par exemple ta soeur Marielle. La soeur Marielle, celle que tu vois, moi c'est 3 enfants, 4 enfants. Ça c'est bien. Non, pardon, je ne peux même plus parler des choses comme ça. Et ça? Quand je veux me marier, je ne permets pas. Le Seigneur va me donner aussi une personne qui s'est préservée comme moi. Et là, je serai à l'aise dans mon foyer. Regarde le pasteur local, le pasteur, oh non, il déçoit. Un pasteur qui était chaud, chaud. Ah. Celui qui faisait trembler les gens dans l'église, là. Oh! Non, vraiment, ça m'attriste. Vraiment, je manque de pleurer, quand tu vois, ça m'attriste. Mais j'ai appris une histoire, une jeune sœur qui arrive pour apprendre. La jeune sœur n'a même pas fini l'année, elle a fini dans son lit. Et là, vraiment, c'est l'image de l'église qui est complètement à terre.
Et quand ce sont les jeunes, ils sont pressés de mettre les jeunes sous discipline. Or que eux-mêmes, là, ils se cachent. Ils se cachent. Et c'est ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que cette histoire. Tu vois, toi et moi, que toi, dans l'école et dans le ministère, tu as fait des efforts. Moi, de mon côté, je me suis préservé. On a fait le notre mieux. Mais je ne comprends pas pourquoi eux n'arrivent pas à le faire. Exactement. L'ouvrier mérite son salaire. Voilà. Et vraiment, non. On ne doit pas autoriser ce genre de comportement. Je me suis préservé. Et moi aussi, je voudrais que la sœur avec qui je serai doit également pouvoir se préserver. Vous n'accepterez jamais que quelqu'un qui n'a pas le même niveau que moi vienne me poser. Parce que j'ai fourni assez d'efforts et il devra le faire lui-même. C'est ça ou rien. Et tu vois, pendant que nous sommes en train de parler, je me rappelle des fiancés qu'on a annoncés là à l'église et ils ont couché déjà ensemble avant le mariage et ça, c'est pas normal. Ah, quel fiancé? Gilbert et Jocelyn. Oui. Ah! Ils sont allés ensemble et ils ont péché et ça. Ça, c'est inadmissible. Hein? Ouais, ils ne pouvaient pas se préserver. Quoi, ça chauffait trop ou quoi? Mais nous, on ne peut pas aussi attendre. Quoi. Nous, on attend ça. Qu'est-ce que ça fait? Vraiment, depuis là, je suis là, je vous écoute. Est-ce que je peux prendre d'abord la parole? Bon, bah, je peux. Voilà. Avant que je ne passe, parce que nous sommes en phase d'entretien avec le pasteur, bientôt mon tour. Donc, je voudrais davantage profiter de ce petit temps-là pour échanger un peu avec vous. Donc, je vous ai beaucoup écouté et sans mentir, vos propos m'intriguent beaucoup en fait. Parce que vous avez vraiment ressorti certaines choses qui m'ont vraiment touché le cœur. Certes, nous sommes dans un monde vraiment un peu complexe. On a beaucoup de réalités. Exemple, quand tu te vois en train de te consacrer à Dieu et qu'il y a d'autres jeunes filles, exemple, qui vivent, en fait, comment dirais-je, une vie un peu toc-toc. En fait, on se pose un peu des questions. Je ne sais pas, peut-être, est-ce que vous avez peut-être oublié la notion de la grâce de Dieu? Je ne sais pas trop, en fait. Parce que la Bible déclare que, en fait, Dieu fait grâce à qui il veut. Et quand je t'écoutais, Marc, vraiment c'est merveilleux, tu as vraiment un niveau élevé dans le domaine de l'école, vraiment c'est la grâce de Dieu. En fait, tout ne dépend pas de tes capacités, mais de ton intelligence. Bien sûr que non, il t'a fait grâce et bénis simplement Dieu pour ça. Au contraire, même cette personne qui n'a pas la possibilité d'évoluer, prie aussi même pour ces personnes-là, afin qu'ils puissent aussi même atteindre ce niveau supérieur que toi aussi, pourquoi pas. Et pour le frère qui ne connaît pas de femme, c'est aussi une grâce de Dieu, mon frère. C'est pas pour autant que tu vas juger les autres, mais dis maintenant que si la sœur ne s'est pas préservée, moi je ne peux pas l'épouser. Non, 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 non. La grâce de Dieu ne dépend pas de nos bonnes œuvres. Tu peux faire des œuvres bonnes, bien mauvaises. La grâce de Dieu est toujours là. On ne doit pas être en train de juger les autres. Au contraire, simplement, bénis Dieu pour ta vie. Et prie comme aussi pour ces personnes vraiment qui sont, on peut dire ça comment, qui n'arrivent pas à se préserver comme toi. Parce que vraiment, c'est une grâce. Mais pourquoi en fait juger les autres? Vraiment, je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Donc, davantage revenons sur des nouvelles bases et simplement bénissons Dieu pour la vie que nous menons. C'est comme je ne connais pas des hommes, vraiment, la sœur, vraiment, c'est très bien, tu es intelligent, bénis Dieu parce que c'est la grâce de Dieu. Il peut, par exemple, décider même de t'enlever ça, on ne pourra rien dire. Idem aussi pour toi, frère. Il peut, par exemple, décider même que tu couches avec une sœur, mais en fait, Dieu est capable de toutes choses. Mais surtout, nous sommes comme nous sommes, c'est vraiment la grâce de Dieu et bénissons simplement le Seigneur. Vraiment, c'est ça, prions véritablement pour ces personnes-là. Actuellement, en fait. Donc, mademoiselle Olivia, oui, c'est votre tour pour l'entretien. Ok, donc je vous laisse. Merci encore vraiment pour ce temps que vous m'avez accordé. J'espère vraiment que vous avez vraiment pris note de tout ce que je viens de dire. D'accord, bon, frère et soeur, je vous laisse. À tout à l'heure. Et en plus. Ok. Vraiment, ce que la soeur disait. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'important dedans, la grâce de Dieu. On a pu faire tout ce qu'on a fait, on doit quand même reconnaître que Dieu vraiment a fait des choses dans nos vies. Et vraiment, je crois qu'on doit revoir notre manière de penser et même de nous comporter vis-à-vis des frères et sœurs. Oui, c'est vrai ce qu'elle nous dit, cher point de vue, concernant mes études. Ça n'a pas été facile et je réalise finalement que c'est vraiment par grâce. Et c'est la grâce de Dieu.
Et désormais, je ne veux plus exiger cela. Que j'ai un mari qui a un niveau élevé, comment ou non, je ferai comme Dieu voudra. Parce que sa grâce me suffit. Et Dieu sait que tout ce que j'ai, c'est par grâce. C'est la grâce de Dieu. Ma famille est ma première occasion de chute. Pourquoi ma daronne et pourquoi mes amis sont ma première occasion de chute. Pourquoi ma famille est ma première occasion de chute.